Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion chrétienne. Nous poursuivons notre série pour accompagner votre carême par les grands textes de la mystique, en nous rendant cette fois-ci au cœur du XVIIe siècle pour retrouver Blaise Pascal. À première vue, Pascal, c'est le type même du scientifique et du philosophe tellement compatible avec une vision étroite de la laïcité qu'il n'a dérangé ni la Troisième République ni les rationalistes. Mais en réalité, au-delà des traités de calcul et de physique ou bien des provinciales, il y a Les Pensées, ce livre à mi-chemin entre la philosophie et la théologie, entre l'esprit scientifique et la mystique. Le livre d'un homme qui connut une nuit de feu qu'il décrit comme joie, joie, pleurs de joie. C'est donc à ce grand livre, Les Pensées, que nous consacrons notre émission d'aujourd'hui avec deux invités. Hélène Michon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'Université de Tours et vous êtes spécialiste de Pascal. Et puis, comme pendant tout cette série de carême, Père François Potté, bonsoir, bonsoir. Bonjour. Vous êtes curé de Notre-Dame du Travail. Alors, peut-être pour commencer, Hélène Michon, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ce Pascal, qui est quand même très, très religieux, enfin, ou pour, dans nos canons à nous, très, très catho, entre guillemets, en fait, c'est une sorte de saint laïque? Ah, alors l'expression oui, me paraît douteuse, oui, mais je pense que Pascal a remporté plusieurs batailles, dont une qui consiste à rendre aimable la recherche de la vérité. Je pense qu'avec lui, la notion de vérité échappe, disons, au conflit foi-raison, et qu'il a réussi à en faire une enquête universelle. Et donc finalement, avant de le ranger, me semble-t-il, d'un côté ou d'un autre, et peut-être même avant de voir le croyant, on voit celui qui cherche la vérité et qui le fait d'une manière telle qu'elle ne rebute personne. Ça, je trouve que c'est un vrai gain. Pourquoi? Parce qu'on va faire très brièvement, comme d'habitude, une sorte de retour sur la vie de Pascal. C'est quand même une vie, je veux dire, c'est un ultra Pascal. C'est quelqu'un qui est un peu un intransigeant. Alors, et il est très chrétien. Alors, très, il est très, très chrétien, mais si vous voulez, quand on dit de quelqu'un qu'il est très chrétien, je crois qu'on renvoie à des certitudes ou à des convictions qui donnent toujours l'impression d'un résultat. Quelqu'un qui est parvenu à bon port. Avec Pascal, on a un chrétien, mais je dirais un chrétien qui est dans une quête permanente. Et la dimension de recherche est sans doute plus importante que celle de possession. Et d'une certaine manière, c'est une façon de nous dire à quel point la vérité est infinie, parce qu'en fait, on ne la possède jamais. Donc que vous soyez au début, au milieu ou à la fin, on est tous dans la même situation finalement de chercher la vérité. Donc il n'est pas dans la position de celui qui sait par rapport à celui qui ne sait pas. Ça doit vous plaire, Père Potté. Un vrai chrétien, c'est pas celui qui détient la vérité. Moi, je confesse que je suis non seulement pas spécialiste de Pascal, mais que j'y connais pas grand-chose. J'ai lu des petits bouts quand j'étais dans mes études, enfin, et même pas beaucoup dans mes études de théologie. Mais cet aspect-là me passionne et je vous écoute avec grand intérêt parce que chercher, c'est vraiment l'objet de toute la vie chrétienne. Plus on s'approche et plus on s'aperçoit qu'il est loin. Enfin, plus on s'aperçoit qu'il est au-delà de ce qu'on croit connaître. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Je suis toujours très méfiant, en effet, devant des personnes qui croient connaître, qui savent et qui possèdent. Alors là, je me sens complètement démuni parce que dans tous les domaines de la foi, dès qu'on est en face de quelqu'un qui sait, on est perdu. On n'a plus rien à lui dire, on n'a plus rien à... Et le propre de la vie chrétienne, c'est qu'elle cherche. Ça me paraît vraiment un aspect... Et si Pascal est un maître dans ce domaine, alors il vaut la peine d'être étudié, ça c'est sûr. Ouf, donc on peut continuer l'émission, vous avez l'imprimature. Peut-être rappelons rapidement sa vie. Là aussi, je reviens sur mon introduction. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'il y a une partie un peu scientifique et puis une partie plus alors théologique, mystique, alors, Pascal polémique. Le dit lui-même dans un fragment, il découpe en quelque sorte un fragment autobiographique, il découpe sa vie en trois. Il y a le domaine des sciences abstraites, des sciences exactes, comme il les appelait, vis-à-vis desquelles, bon, il a fait des prouesses, mais il s'en est détourné vu le peu de communication qu'on en pouvait avoir. Après, il s'est tourné vers la science de l'homme, donc une sorte de recherche anthropologique, et finalement, le grand objet de sa quête, qui est la quête de Dieu.
Et on peut voir finalement dans son parcours jusqu'à 20 ans, parce qu'évidemment tout va très vite, hein, comme Pascal meurt à même pas 40 ans, des avancées dans le domaine scientifique, du plus abstrait au plus concret, parce qu'il ne faut pas oublier que Pascal est aussi l'inventeur des carrosses à 5 sous, donc des premiers transports en commun. Donc c'est aussi, voilà, c'est une intelligence, pas des Uber, mais c'est une intelligence au service du bien commun. Et puis ce qui caractérise aussi sa capacité intellectuelle, c'est que Pascal cherche à communiquer. Alors aujourd'hui, on est dans l'ère des communicants, ça peut paraître étonnamment moderne, mais il veut trouver la vérité pour pouvoir, avec cette idée que la vérité va unir et non pas désunir. Et je trouve qu'aujourd'hui, on pense la vérité souvent en termes d'intransigeance et d'égocentrisme. Ici, on a une vérité qui conduit à la communion. Et ça, il le dit, hein, il s'est détourné de certaines sciences pour le peu de communication qu'on en peut avoir. Pascal est un être de relation. Et je dirais que ce n'est pas suffisamment mis en valeur parce que sa dimension de génie l'isole un peu. C'est vrai qu'il n'a pas d'école, pas de disciples, pas de maître, donc il est tout seul. Mais les vérités qu'il n'a cessé de poursuivre, il les poursuivait aussi dans un souci de bien commun, hein, de pouvoir en faire partager les autres et d'apprendre des autres. Est-ce qu'il y a des différences entre ces trois vies ou est-ce qu'il en voit l'unité? Je veux dire, est-ce qu'il y a une raison calculatrice? C'est plus une raison spirituelle, mais est-ce que pour lui, c'est la même raison ? Alors, je dirais qu'il y a un texte qui aide beaucoup pour la biographie de Pascal, c'est la biographie qui est rédigée par sa sœur, et elle donne une clé, c'est justement ce que je disais, la question de la vérité. Depuis l'âge de 10 ans, cet enfant cherche le vrai, il le cherche dans les mathématiques, il le cherche dans la géométrie, et puis il va le chercher dans l'homme et finalement en Dieu. Donc ça, je crois que c'est la ligne de fond. Après, ce qui est très intéressant avec Pascal, c'est que c'est un peu l'intelligence aux mille facettes, parce qu'on a une intelligence dite très spéculative, hein, comme vous le mentionnez en introduction, mais on a aussi une intelligence pratique. On a l'esprit de géométrie qui est très linéaire, et puis on a l'esprit de finesse qui fonctionne beaucoup plus de manière intuitive. Et puis enfin, on a le cœur chez Pascal, qui est une sorte de pôle à la fois intellectuel et affectif, et qui va être le point de contact avec Dieu. Je relève dans ce que vous dites, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est cette recherche de vérité, toujours, qui domine. Et par rapport à notre époque aujourd'hui, on est beaucoup dans le principe « chacun sa vérité ». Chacun fait sa vérité, chacun a sa vérité, c'est ma vérité. Et alors, dans ce domaine, si chacun a sa vérité, on ne peut plus discuter, parce qu'on ne cherche plus la même chose. On essaye de mettre dans un dénominateur commun les vérités de chacun, mais on fait un espèce de consensus le plus faible possible, mais qui ne cherche plus rien, qui n'est plus en avancée, qui n'est plus dynamique. Et je pense que si on manque aujourd'hui beaucoup de maîtres dans la recherche de la vérité et dans la conviction, est-ce que je relève encore ce que vous dites, ils cherchent la vérité d'abord dans la géométrie, puis dans l'homme, puis en Dieu, il y a une progression, et je trouve que cette idée de progression dans cette recherche est tellement importante. Ça me paraît, dans l'éducation, par exemple, chez les jeunes, ça me paraît une dimension essentielle de leur apprendre la recherche de la vérité. Et au lieu de leur donner un espèce de système tout fait, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, ou que chacun son système, on est tous en route vers quelque chose. Ça, je trouve ça très beau. Et pour aller dans votre sens, un fragment qui plaît en général aux étudiants, c'est le fragment dans lequel Pascal dit qu'on est davantage convaincu par les raisons qu'on a soi-même trouvées. Donc même si la vérité nous est d'une certaine manière extérieure, puisque pour lui la vérité c'est Dieu, il n'empêche que Pascal appelle à penser, c'est-à-dire que chacun doit fournir ce travail de la raison que personne ne peut faire à notre place. Donc on ne peut pas faire l'économie, hein, de la recherche, du raisonnement, de la quête. Ça, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et si je puis me permettre, je pense que c'est vrai aussi des vérités de foi. Oui, je veux dire par là sûr. Que il faut les croire, etc. Mais il faut aussi les rechercher. Pour comprendre ce que ça veut dire. Il y a un contenu et un donné de la foi, mais j'en cherche toujours la source.
Et je n'ai jamais atteint cette source. Je ne me contente pas d'une espèce d'une récitation d'un credo qui ne donne qu'un cadre, mais qui est en réalité le support pour chercher plus loin. Oui, et puis dans cet ordre d'idées, finalement, pour Pascal, le fait de vouloir convaincre, entre guillemets, enfin, il est comme il est dans une démarche apologétique, ça oblige constamment à essayer de retrouver ce qu'il y a de convaincant dans les vérités de la foi. Et donc, c'est un travail incessant de l'intérieur pour se dire comment mieux faire comprendre, mieux saisir, et ça vaut aussi pour lui. C'est pour ça que c'est effectivement très dynamique, comme vous disiez, oui. Alors, l'un des aspects aussi de la vie de Pascal, évidemment, c'est son expérience mystique de 1654. On va y revenir, parce que l'un des premiers textes qu'on va lire, ça sera, enfin, le premier texte qu'on va lire, ça sera cela, mais rapidement, de quoi il s'agit ? Alors, il le dit lui-même, hein, c'est une intense, une espèce de fulgurance, une intense expérience de Dieu, un soir, à une heure déterminée, hein, puisqu'il écrit de 22h30 à... Et donc, il va avoir le sentiment de la présence, de la proximité de Dieu. Et donc, celui... C'est très beau, parce qu'en fait, cette expérience, si vous voulez, elle n'éteint pas la quête. Donc, Pascal cherche Dieu, il va faire l'expérience de ce qu'effectivement Dieu, on le trouve par les voies de l'Évangile, comme il le dit, et à partir de là, il va continuer à chercher et à faire en sorte que d'autres le trouvent. Donc, il y a quelque chose là qui est... cette expérience de Dieu le pousse encore plus dans la recherche. Mais j'aimerais unir au terme de recherche le thème de désir. En fait, je pense aussi que ce qui est lié à la recherche qui n'est jamais qu'intellectuelle chez Pascal, c'est le désir de Dieu. Et donc, d'une certaine manière, le désir grandit au fur et à mesure où on se rapproche. Et vous mettez le désir dans l'intelligence, vous mettez le désir dans l'affectivité, vous mettez où le désir ? Alors, c'est le cœur pascalien, c'est les deux. Ouais. Hein, c'est une espèce de centre profond de la personne. Le cœur chez Pascal, c'est un peu comme le cœur dans la Bible, c'est vraiment le noyau dur de la personnalité. Et je dirais que c'est peut-être ça aussi qui fait l'universalité de Pascal, c'est qu'on va vers Dieu, l'homme va vers Dieu avec tout son être, hein, et même le corps. Est-ce que, moi c'est une notion qui m'est chère, mais est-ce qu'on peut parler de l'intelligence du cœur ? Oui, alors Pascal parlait des raisons du cœur. Le cœur sans Dieu, ça c'est son expression. Et dans le sentiment, c'est pas quelque chose de sentimental, mais c'est l'idée qu'il y a une sorte d'immédiateté de Dieu. Oui. Vous voyez, c'est curieux parce qu'on a tendance aujourd'hui à penser Dieu dans une espèce de... à penser que le grand siècle, c'est le siècle de la transcendance de Dieu qui est loin. Mais Pascal n'est pas le cardinal de Bérulle, hein, qui va justement aller dans le sens des grandeurs de Dieu. Chez Pascal, Dieu est à la fois caché et très proche, plus intime à moi-même que moi-même. Là, on sent Augustin, voilà. Hein, il y a une expérience de Dieu. C'est pour ça que je crois quand même qu'on peut utiliser le terme de mystique, même si chez les pascaliens, c'est quelquefois sujet à débat. C'est intéressant, c'est sujet à débat. Pourquoi ? C'est sujet à débat parce que justement, on veut pas trop en faire. On veut garder le. C'est ce que vous disiez au début. On veut garder une forme d'écuménisme de Pascal qui parle à tout le monde, qui parle. Et on a un peu peur de ce mot mystique. Ou est-ce parce qu'il y a une vraie raison ? Il n'est pas très mystique en fait. Bah, si vous voulez, en fait, je pense que le vrai débat, c'est sur le terme de mystique. Oui. Hein. Je pense que soit on entend mystique dans un sens très restreint des degrés d'oraison. Et dont la figure de proue serait Thérèse d'Avila, auquel cas, effectivement, on n'a pas de développement mystique chez Pascal. Soit on entend mystique, moi, c'est plutôt comme ça que je le comprends toujours, dans la ligne, par exemple, de Louis Bouillet, qui dit que mystique, c'est entrer dans le mystère de Dieu. On a un long fragment sur le mystère de Jésus dans les pensées de Pascal, et à ce moment-là, Pascal est éminemment mystique, puisque pour lui, je dirais que le sens de la vie consiste à essayer de rentrer dans le mystère de Dieu. Mais là où il est très fort, c'est qu'il dit « Vous ne voulez pas rentrer dans le mystère de Dieu, bah alors vous resterez avec le mystère de l'homme, parce que l'homme lui-même est un mystère s'il ne se réfère pas à Dieu. » Je vous propose finalement qu'on entende ce mémorial, hein, ce qu'il a écrit juste après cette expérience mystique. Donc, c'est écrit en 1654, évidemment. Et ça fait partie, hein, vous me l'avez rappelé, des pensées, en fait. Ça a été glissé par l'éditeur. Voilà, la plupart du temps, on le met dans le livre des pensées. Donc, on écoute ce fragment, enfin, ce mémorial 1654. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint-Clément, pape et martyr, et autres aux martyrologues. Veille de Saint Chrysogone, martyr et autres, depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ 00h30. Feu Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob,
nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude. Sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Jean 20, 17. Ton Dieu sera mon Dieu. Oublie du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. Je m'en suis séparé. De reliquerunt me fontem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette est la vie éternelle. Qu'ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Jean 17, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce, soumission totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Ce qui veut dire, je n'oublierai pas tes paroles. C'est ça qui est très frappant dans ce mémorial. C'est quelque chose de très intime. On sent que c'est une expérience très personnelle. Et ce qui vient le plus, alors les téléspectateurs l'ont senti, il y a souvent les références qui ont été mises, mais quelquefois on a juste la référence, c'est la Bible. L'expérience mystique se dit par la Bible. Oui. Et ça, je dirais que c'est peut-être ça qui bloque certains pour l'utilisation du mot mystique, parce qu'on a tendance à penser la mystique comme la non-médiation. Or, on a deux médiations chez Pascal. D'une part, évidemment, la Bible, c'est une sorte de lectio divina, finalement, ce mémorial. Et d'autre part, l'Église. Mais je ne crois pas qu'on puisse définir la mystique comme une absence de médiation. Je pense que la mystique, c'est rentrer dans le cœur de Dieu. Et comme le dit Pascal, la Sainte Écriture demeure l'accès premier et l'Église, le lieu adéquat. Alors, il y a moins de présence ecclésiologique chez Pascal qu'il n'y a de présence biblique, mais pour lui, ce sont les chemins d'accès. Il y a quand même un chemin pour aller vers Dieu. Et ce n'est pas anti-mystique de parler d'un chemin, puisque le Christ dit qu'il est à la fois le chemin et le terme. Donc je dirais qu'avec Dieu, on a et Dieu et le mode d'emploi pour aller à Dieu, qui est la deuxième personne de la Trinité. Ça, c'est un point clé. Je crois que cette discussion est très importante, parce que on tourne autour avec toutes nos œuvres, là, ce mystique. Alors, heureusement, nous avons prévu de parler de Jean de la Croix dans quelques semaines. Donc là, on sera justement dans quelque chose d'un peu, enfin, à la limite de la médiation. Il n'y a presque pas de médiation chez Jean de la Croix. Mais rappelons que la mystique, ce n'est pas uniquement moi et mon Créateur. Absolument. Et la mystique, enfin, d'abord, je voudrais dire, la mystique, c'est ce qui manque le plus à notre époque. On a une époque qui résonne, on a une époque qui est froide, enfin, une intelligence un peu froide. La mystique, c'est une expérience, enfin, ce que vous avez dit, mais une expérience du cœur, une expérience qui n'est pas intellectuelle seulement. C'est pour ça que je parlais de l'intelligence du cœur, mais il nous manque. Cette mystique est terriblement nécessaire à notre monde. Et j'aime beaucoup quand vous dites, la mystique, c'est entrer dans le mystère. Et le mystère de Dieu, Dieu en lui-même, mais de l'amour de Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ qui est le visage de l'amour de Dieu. Et je trouve que ce texte est magnifique. Alors, tout le monde n'a pas fait une expérience comme celle-là. Mais je trouve que cette expérience décrite par Pascal, ça doit nous donner de l'appétit. Enfin, ça doit nous mettre en... Parce que en même temps, une expérience comme celle-là, ça se désire. Vous parliez du désir de Pascal tout à l'heure. Et à la fois, on manque de mystique. Peut-être qu'on manque de mystique parce qu'on manque de désir. Oui, et il me semble que dans ce mémorial, il est mentionné grandeur de l'âme humaine. Je tiens à l'expression parce qu'on a toujours tendance à dire que Pascal, c'est une intériorité sombre. Tout le monde connaît le cœur vide, obscur, plein d'ordures, etc. Là, on a grandeur de l'âme humaine et on voit bien que pour Pascal, la clé, c'est justement d'arriver à faire émerger ce pôle lumineux, hein, à l'image de Dieu qui est en nous. Mais on manque de mystique parce que aussi, je pense qu'on manque aujourd'hui d'intériorité, de chemin d'intériorisation. Donc silence, recueillement, solitude, etc. Tout ce qui permet finalement de rentrer en soi et de trouver Dieu.
Alors, ce que vous venez de dire est très important, parce que ça donne finalement, vous faites une transition parfaite vers les pensées. Le plan des pensées, c'est quoi justement? C'est quoi le but des pensées? C'est ce que vous venez de dire. Oui, le but des pensées, c'est de conduire l'homme vers Dieu. Alors, il y a une première partie dans laquelle Pascal va décrire, comme il le dit lui-même, la misère de l'homme sans Dieu. Et puis, il y a une deuxième partie, la grandeur de l'homme avec Dieu. Mmh. Et je crois qu'en fait, c'est très important de lire les pensées, mais de les lire si possible en entier, parce que si on reste seulement avec la misère, on a cette vision qui traîne un peu partout d'un Pascal torturé, angoissé, négatif, triste, voilà, parce qu'on a lu le descriptif de la misère de la vie de l'homme sans Dieu. Mais je dirais que Pascal a creusé les ombres pour apporter en seconde partie les lumières. Alors évidemment, si on bloque sur Jésus-Christ, on ne va pas aller lire la deuxième partie des pensées. Mais je crois quand même que Pascal a eu raison de faire ce plan en deux parties, parce que quand il creuse les ombres, là, en revanche, il emmène tout le monde avec lui. Mmh. Tout le monde est d'accord pour son analyse de la misère. Mmh. Mais après, il y en a qui veulent en sortir, et il y en a d'autres qui préfèrent se dire « la misère, c'est objectif, le reste, on ne sait pas ». C'est intéressant, ce… La misère, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, et je pense que pour aujourd'hui, et pour, pour notre série de carême, je trouve que c'est très, très intéressant, parce que le constat des misères risque de nous maintenir en surface. Oui. Et ce qu'il faut, c'est descendre au fond. Et moi, ce que j'appelle le désir, c'est quelque chose qui vient justement de cette vie intérieure. Il n'y a pas de désir sans vie intérieure. Et c'est, la vie intérieure est une quête. C'est vrai qu'il y a une espèce de misère qui écrase, mais plus profondément que la misère, il y a un désir qui est capable d'émerger et qui se met en recherche. Oui. La misère, pour Pascal, c'est fondamentalement… C'est quelque chose d'assez intellectuel, dans le sens où c'est comme si Pascal disait, finalement, les choses n'ont pas de sens. Et donc, il n'est pas rationnel d'accepter le non-sens. Mmh. Ça n'est pas… pour lui, il est invraisemblable, extravagant, comme il le dit, de ne pas se poser de questions. Ça, c'est ça qui le laisse le plus pantois. En revanche, celui qui se pose des questions, ça y est, Pascal va le prendre avec lui. La seule personne qu'il n'emmène pas, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Mmh. C'est ça que ça veut dire quand il parle du divertissement qui nous détourne Alors le divertissement, c'est vrai qu'on a toujours fait le procès, et c'est vrai que Pascal, d'une certaine manière, le condamne en disant que c'est s'agiter pour ne pas se poser les questions essentielles. Mais il lui reconnaît un aspect positif, c'est qu'il y a pire que le divertissement, c'est l'ennui. Et je dis toujours qu'il manque une thèse sur l'ennui chez Pascal, qu'il désigne d'une sorte de mort. Alors là, ce serait l'état quasi léthargique de la vie. Pire que tout. Donc, pour sortir de l'ennui, l'homme a trouvé le divertissement. C'est pas mal, c'est une amorce de solution. Mais s'il réfléchissait, il se rendrait compte que, en fait, le divertissement, c'est une quête sans objet. Et que donc, il peut y avoir un objet à la quête. Est-ce que c'est pas très actuel aussi, ça, justement? Les gens qui se posent pas de questions, c'est quand même un mystère. C'est terrible. Non mais sérieusement, même pour un prêtre, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. D'être devant des gens qui ne posent pas de questions, on n'a plus rien à dire. Il y a les gens qui savent, c'est foutu, on ne peut plus rien dire. Et puis il y a les gens qui ne posent pas de questions. Et auquel cas, d'ailleurs, ceux qui savent ne posent pas de questions. Et du coup, on se noie dans un espèce de divertissement qui éloigne encore la possibilité de poser des questions. Oui. Enfin, je trouve ça très, très passionnant. Et c'est pour ça que, peut-être avant la position vraiment intellectuelle de dire « je me pose des questions », il y a quelque chose d'existentiel qui est l'inquiétude. Pour moi, c'est le terme qui caractérise l'attitude de Pascal. C'est que c'est quelqu'un d'inquiet. Alors, on peut être inquiet pour mille raisons, pour le climat, mais Pascal, lui, il est inquiet pour son salut. Et il arrive à communiquer cette inquiétude. Ce qui fait que si vous n'étiez pas inquiet en commençant la lecture de Pascal, vous allez finir par le devenir, que vous soyez croyant ou pas. C'est ça qui me semble intéressant, c'est que tout le monde en prend pour son grade. Celui qui ne se posait pas de questions s'en pose, celui qui s'en pose avance, et celui qui pensait dans une sorte de certitude de la foi est embarqué lui aussi dans ce mouvement de se dire « mais finalement, est-ce que je suis vraiment un bon chrétien ? Est-ce que… etc. » Ben, je donne juste un exemple, puisqu'on est dans le carême. Pascal dit « il vaut mieux ne pas jeûner que jeûner et en être complaisant ».
C'est mais beau, ça. Qui d'entre nous n'a pas envie de cocher une croix en disant ouais, voilà, j'ai respecté l'abstinence du vendredi de carême. Alors, bien sûr qu'il faut les respecter. Mais ce que Pascal veut débusquer, c'est cette espèce de complaisance qui pourrait nous gagner de nous dire voilà, je suis dans les clous. On n'est jamais dans les clous pour Pascal. C'est quand même la recherche de la sainteté qui fait ça. Le pape François, dans son exhortation sur la sainteté, parle d'une sainte, d'une constante et saine insatisfaction. Voilà. Et ça, je trouve ça très beau. C'est un, le pape François serait pascalien. Peut-être. Encore qu'il les hésite, alors. Oui, c'est ça. Oui, mais il n'était pas opposé à son éventuelle canonisation. Donc là, on voit que tout se réconcilie. Oui, pour expliquer, simplement, il y a eu quelques combats contre les jésuites dans la vie de Pascal. C'est les provinciales. On n'aura pas le temps de parler de tout. Peut-être qu'on n'aura même pas le temps de parler du jansénisme. J'ai très envie de vous faire, de vous faire commenter le texte qui vient. C'est le fragment 339. Peut-être juste le présenter, et puis ensuite, on va l'écouter, puis vous le commenterez. Oui. Alors, je tiens à ce fragment parce qu'il divise la réalité en trois et pas en deux, ce qui évite des oppositions possibles. Oui. Et surtout, tout est positif dans ce texte. L'ordre des corps, il y a des grandeurs dans l'ordre des corps. Mm-hmm. L'ordre des esprits, il y a des grandeurs dans l'ordre des esprits. Et enfin, l'ordre de la charité. Mais il n'y a pas que la grandeur de la charité qui mépriserait tout le reste. Il y a toute une série de grandeurs, et donc c'est un escalier. La vie est une ascension. Peut-être juste avant encore une petite supplique. C'est quoi l'ordre des corps, l'ordre des corps, c'est tout ce qui se réfère au monde corporel ou charnel, l'argent aussi, les biens matériels. C'est toute la dimension matérielle. Mm-hmm. Les grandeurs de l'esprit, pour Pascal, évidemment, c'est les vérités scientifiques, notamment la géométrie, mais c'est tout le domaine de la recherche intellectuelle de la culture. Et puis l'ordre de la charité, c'est l'ordre de Jésus-Christ, c'est l'ordre de l'amour de Dieu. Et bien là, on est bien armé pour écouter ce fragment 339. La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grandes chairs. La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production au dehors de science, est dans son ordre de sainteté. Il n'a point donné d'invention, il n'a point régné, mais il a été humble, patient, saint, saint, saint à Dieu, terrible aux démons, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en une prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui vole la sagesse. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles comme s'il n'y en avait pas de spirituels. Et d'autres qui n'admirent que les spirituels comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus haute dans la sagesse. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits. Car il connaît tout cela, et soi, et les corps rien. Tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toutes leurs productions ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on n'en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un autre ordre surnaturel. Alors, Hélène Michon, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit. Je me suis gargarisé du fragment 339 en précisant que c'est un fragment. Peut-être qu'il faut expliquer le texte tel qu'il est actuellement. Oui. On n'a que des bouts, en fait. Oui, en fait, à la mort de Pascal, on a découvert 800 fragments, hein, donc des petites notes sur des quarts de feuilles, qui ont été après recopiées, classées, etc. Mais c'est vrai que la lecture des pensées n'est pas une lecture linéaire. Mm-hmm. Donc, il y a un avantage
l'avantage, c'est qu'on peut lire 10 lignes et puis méditer 3 semaines. Les lignes, les fragments sont souvent autosuffisants. Le petit écueil, c'est qu'il y en a qui sont vraiment des prises de notes et donc on n'éclaircit pas toujours le sens. Donc il ne faut pas, quand on lit un fragment qu'on ne comprend pas, s'arrêter là. Il faut continuer. Mm-hmm. Hein, y en a qui sont très abscons, mais parce qu'ils sont radicalement incomplets, et d'autres qui sont beaucoup plus travaillés. Et l'ensemble de ces fragments qu'on appelle les pensées, que l'éditeur a appelé les pensées, le titre n'est pas de Pascal, est donc un ouvrage qui n'est pas terminé. Mmh. Voilà, donc là, c'est la classification de Philippe Sellier, 339, voilà. C'est son numéro à lui, parce qu'il y a plusieurs classifications. Il y a deux numérotations. Mais qui, en gros, reprennent le même plan que vous avez dit, qu'il faut rappeler, l'homme sans Dieu, l'homme avec Dieu. Ah, oui. Alors, ce fragment 339, qu'est-ce qui... Vous avez dit, c'est un fragment optimiste, c'est un fragment où tout va bien. Ben, c'est un fragment tout va bien. Je pense qu'il faut voir que les ordres ne correspondent pas à des catégories de personnes, mais à des réalités, hein, des types de réalités. Donc, nous pouvons appartenir aux trois ordres en même temps. Et ce qui me plaît dans ce fragment, c'est que l'ordre des corps, parce qu'il n'y a aucun mépris objectif des grandeurs charnelles ou corporelles ou de l'ordre des corps, la seule chose c'est que c'est relativement à ce que peut trouver l'esprit ou ce que peut trouver le corps, le cœur, cela deviendra moins digne. Mais en soi, Pascal est tout à fait prêt à reconnaître qu'il y a des réalités matérielles qui sont bonnes. Ce qui se passe, c'est quand on a goûté à celle du second étage, si je puis dire, eh bien finalement on préfère les secondes aux premières. Et inversement, mais ce qui fait que si on ne les a pas goûtés, eh ben on est très content avec ce qu'on a. Mmh. Et alors évidemment, l'écueil, c'est de s'en satisfaire. Donc il faut savoir les apprécier tout en se disant, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout autre chose ? Donc l'ordre des corps, c'est les riches, les grands, les capitaines, donc c'est tout ce qui se voit. Et puis donc les grandeurs spirituelles et les grandeurs de charité. Ça aussi, c'est assez actuel. Enfin, je veux dire, encore une fois, je vais vous donner un petit coup de patte. On a souvent tendance à entendre des prêtres qui prêchent sur la charité. Il ne faut pas oublier ce qui est en dessous. C'est certain. C'est ce que, est-ce que Pascal est capable de goûter un bon vin? Une bonne question. C'est une mauvaise question parce que Pascal a pratiquement été malade toute sa vie. Ah oui, oui. Donc effectivement, je pense qu'il n'a pas une réputation de bon vivant, il ne devait pas l'avoir. Oui. Mais intellectuellement, je pense qu'il savait que la Bible disait que le vin réjouit le cœur de l'homme. Mais voyez, quelqu'un qui incarnerait les trois ordres, on n'en a pas tant que ça, hein, c'est même dans l'héritage catholique. Mm-hmm. Et donc moi, le seul que j'ai trouvé, Pascal n'en parle pas, c'est Thomas More, qui serait à la fois un grand de ce monde, un intellectuel, puisque auteur de l'Utopie et puis correspondant d'Erasme, et un saint canonisé. Mais on a beaucoup de personnes qui appartiennent au premier et au troisième, beaucoup qui appartiennent au second et au troisième, mais quelqu'un qui appartient aux trois, c'est quand même l'idée que la sainteté, normalement, va dans le sens d'un accomplissement de toutes les potentialités humaines. Et si j'ai bien entendu, il y a entre le premier et le deuxième ordre, il y a une distance infime par rapport à la distance quasi infinie qui les sépare du troisième ordre. Il y a une distance infinie entre les premiers et les deuxièmes et infiniment plus infinie entre le deuxième et le troisième, pour donner une sorte justement d'incommensurable. Surabilité. Pascal est un penseur mathématicien. Enfin, il y a un jeu sur l'infini. Oui. Mais je dirais que l'infini est vraiment dans l'horizon humain pour Pascal. Parce que même entre le corps et l'âme, d'une certaine manière, pour lui, il y a déjà une pointe d'infini. Qu'est-ce qui fait que Pascal n'est pas canonisé? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas saint? Ah, je pense que la bataille avec les provinciales qui ont été mises à l'index rendrait une canonisation un peu plus délicate. Toute la question était de savoir, donc cet ouvrage qui est une sorte de diatribe contre les jésuites. Alors, on a dit contre les jésuites, contre un certain laxisme prôné à l'époque par certains jésuites, bien sûr, il faut quand même remettre ça dans le contexte. Pascal a utilisé l'arme de l'ironie. Est-ce que l'ironie va contre la charité ? C'est un peu l'enjeu. Est-ce qu'on a le droit d'être un peu cynique ou ironique ? C'est peut-être par là qu'il pêcherait le plus. Après, on a voulu le tirer vers ce qu'on appelle à tort le jansénisme, c'est-à-dire, disons, la manière de penser de ce théologien augustinien flamand Jansénus. Bon, Pascal a écrit avant de mourir « Je meurs dans le sein de l'Église catholique ». Ça, je pense que c'est un faux procès,
plutôt que jansénisme, on peut parler d'augustinisme. Or, Augustin est canonisé père de l'Église. Et combien ? Voilà. Donc, c'est plutôt, je dirais, dans la dimension de la polémique que Pascal est allé sans doute beaucoup plus loin qu'un Thomas d'Aquin, qui répondait à des interlocuteurs, mais sans jamais... Et justement, on a un peu une idée de sa spiritualité. Enfin, comment, c'était quoi sa foi ? C'est quoi la spiritualité de Pascal ? Je dirais que c'est le christocentrisme. Oui. C'est-à-dire que pour lui, toute la foi, c'est Jésus-Christ. Il y a une focalisation sur la personne du Christ qui est le sauveur. Parce qu'en fait, la foi de Pascal tient en deux mots, c'est l'inquiétude du salut. Et pour lui, il y a une grande conscience que celui qui va nous sauver, c'est le Christ. Et donc, il y a une sorte de méfiance vis-à-vis des bonnes œuvres, au sens d'une sorte de puritanisme du 19e, où on cocherait toute une série de béats. Là, il hérite quand même de ce courant un peu de la grande réforme catholique ou réformée, qui tenait en suspicion le côté accomplissement. Alors, il n'y a pas de mépris vis-à-vis de l'accomplissement, mais voilà, il y a cette inquiétude de se dire, mais quand bien même je mènerai une vie droite, c'est le Christ qui sauve. Il n'y a que le Christ qui sauve. Et on ne se perd pas dans une recherche stérile d'un Dieu théorique, enfin d'un Dieu... Non, tout à fait, c'est un Dieu incarné. C'est très important. C'est très important aussi pour nous, parce qu'il y a des discussions sans fin sur l'existence de Dieu ou sur un Dieu théorique, des idées sur Dieu. Mais Jésus-Christ, le Christ, empêche d'avoir des idées sur Dieu. C'est très concret, c'est l'Évangile, c'est une personne concrète. Et puis Dieu n'est pas, vous disiez effectivement une recherche de Dieu, Dieu n'est pas à côté de l'homme. Je veux dire, il n'y a pas de recherche de l'existence de Dieu par les traditionnelles voies de l'existence de Dieu. C'est plutôt la dimension intérieure, la manière d'Augustin. Voilà, j'ai une telle inquiétude dans mon cœur, il se pourrait quand même qu'il y ait une réponse quelque part. Mais il part de l'inquiétude du cœur. C'est pour ça que d'une certaine manière, en fait, quand on ouvre les pensées de Pascal, j'allais dire, on est cuit. Enfin, je veux dire, le fait de les ouvrir prouve qu'on est inquiet. Et alors là, si on est inquiet, on est embarqué, comme il dit. Bien préciser l'inquiétude. C'est l'inquiétude au sens étymologique de... Il n'y a pas de repos dans le sens d'une espèce de quiétude un peu bêtasse, de on prend la vie comme elle vient et de toute façon, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de sentiment de la fatalité, des événements, de ce qui m'arrive, mais pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je suis comme je suis? Pourquoi est-ce que je suis dans ce contexte? Pourquoi est-ce que les choses m'arrivent comme elles m'arrivent? Voilà, inquiétus. Et puis, d'où vient le fait que je sois à la fois bon et méchant? D'où vient quand même la méchanceté qui est dans mon cœur? Et je dis toujours aux étudiants, il suffirait qu'il y en ait un qui se lève en disant « Mais non, moi, je n'éprouve aucune accointance avec le mal » pour que le texte de Pascal s'effondre. Mais comme jusqu'à présent, personne ne s'est levé en disant « Ça marche ». Ça marche. Et là, ce qui est rassurant, Hélène Michon, c'est que vous parlez comme Blaise Pascal, et en particulier comme Pascal dans la lettre à Charlotte de Rouanet. Oui. C'est-à-dire que ça vous permet, ça va nous permettre de faire une transition. Ah, vous voulez dire quelque chose ? Je rebondis sur ce que vous dites. Ma transition. Avant le Dieu caché. Avant le Dieu caché. Alors allez-y. Non, mais je pense à un catéchumène qui on lui demande comment est-ce qu'il est parvenu à demander le baptême, et il dit et c'est un garçon qui fait des études, parce que je voudrais trouver quelqu'un qui me sauve du péché. Et je trouve ça extraordinaire comme cheminement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très très fort, ça. Il y a des choses en moi qui ont besoin d'être sauvées. Et si on arrive à toucher ça chez quelqu'un, on a gagné déjà toute une partie. Et puis mon père, ce qui est très important, c'est que je ne suis pas mon péché. Je ne suis pas mon péché, absolument. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je ne suis pas que mon péché. Je peux parler du Dieu caché. Alors je lance. Dieu caché, ça m'intéresse aussi. Ça vous intéresse aussi, moi aussi. On va lancer donc la lettre de Pascal à Charlotte de Rouanet. C'est vers le 29 octobre 1656. Si Dieu se découvrait continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. Et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache ordinairement et se découvre rarement à ceux qu'il veut engager dans son service. Cet étrange secret, dans lequel Dieu s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes, est une grande leçon pour nous porter à la solitude, loin de la vue des hommes. Il est demeuré caché sous le voile de la nature,
qui nous le couvre jusqu'à l'incarnation. Et quand il a fallu qu'il ait paru, il s'est encore plus caché en se couvrant de l'humanité. Il était bien plus reconnaissable quand il était invisible que non pas quand il s'est rendu visible. Et enfin, quand il a voulu accomplir la promesse qu'il dit à ses apôtres de demeurer avec les hommes jusqu'à son dernier avènement, il a choisi d'y demeurer dans le plus étrange et le plus obscur secret de tous, qui sont les espèces de l'Eucharistie. C'est ce sacrement que saint Jean appelle dans l'Apocalypse une manne cachée. Et je crois qu'Isaïe le voyait en cet état lorsqu'il dit en esprit de prophétie « Véritablement, tu es un Dieu caché ». C'est là le dernier secret où il peut être. Le voile de la nature qui couvre Dieu a été pénétré par plusieurs infidèles qui, comme dit saint Paul, ont reconnu un Dieu invisible par la nature visible. Les chrétiens hérétiques l'ont connu à travers son humanité et adorent Jésus-Christ, Dieu et homme. Mais de le reconnaître sous des espèces de pain, c'est le propre des seuls catholiques. Il n'y a que nous que Dieu éclaire jusque-là. Alors Hélène Michon, en entendant ce texte, et je trouve que Michel D'Argent, notre comédien, l'a très bien lu, un mot avant que vous le commentiez. C'est une langue splendide, et puis vous êtes professeur de lettres, donc quand même, c'est important pour vous. C'est une langue splendide, Pascal. C'est vraiment la langue classique par excellence. On dit, on désigne la France en parlant de la langue de Molière, mais on aurait pu dire celle de Pascal. Elle est peut-être par moment, justement à cause de du discontinu, un tout petit peu plus compliqué à comprendre. Mais dans les lettres, on voit bien la facture du style de Pascal. Et qui permet, moi c'est ça qui me frappe toujours chez Pascal, c'est une grammaire à la limite de la grammaire, ça permet de dire des choses, on imagine la langue classique comme quelque chose d'assez sujet-verbe-complément, et puis au contraire, c'est très complexe, et ça permet de dire des choses à la limite du grammatical en fait. Oui, mais cela dit, Pascal a épuré sa langue, vous n'avez pratiquement aucun terme technique, oui, c'est vrai. Jamais de terme d'érudition, pas de citation, ce qui fait qu'on a une langue très pure finalement, et dans un souci vraiment d'accessibilité, ça c'était c'était son grand objectif, se rendre accessible à tous. Alors, le Dieu caché, moi la phrase qui me fascine toujours, il était bien plus reconnaissable quand il était invisible, quand il s'est rendu visible. Oui, parce qu'en fait, il me semble, enfin il faudrait interroger Pascal et malheureusement on ne peut pas le faire, mais... Reconnaître un Dieu créateur de la nature, bon, pour beaucoup ça peut sembler déjà un grand pas, mais je dirais que pour Pascal, c'est pas le plus important. Et donc, d'une certaine manière, il est facile de le reconnaître. En fait, plus Dieu se rapproche, plus il est difficile de le reconnaître, parce que d'une certaine manière, ça risque de nous engager. Et donc, le Christ est beaucoup plus engageant, entre guillemets, parce que le Dieu créateur ne parle pas. Bon, il a suscité l'univers, mais une fois que c'est fait, j'allais dire, les choses parlent en son nom, mais ça demande à être interprété. Le Christ dans l'Évangile ne demande pas à être interprété. Et donc là, il faut accepter. Et en fait, alors que l'intelligence, finalement, a plus de matière, eh bien là, c'est peut-être le cœur qui résiste, dans le sens où ces vérités ne me sont pas indifférentes, et donc, je ne sais pas si je suis disposée à. Donc en fait, l'idée de Pascal, c'est que la révélation s'adresse d'abord à la liberté. Parce que Dieu a voulu se rendre reconnaissable tout en maintenant notre liberté. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette lettre et la question des trois voiles qui viennent. Ce sont les voiles, en fait, qui manifestent le respect, si je puis dire, que Dieu a de notre propre liberté. Ce que vous dites est fondamental. Toute la question pour Dieu, c'est d'aider Adam, c'est-à-dire moi, à sortir de là où il s'est caché à cause du péché, de sa honte, sans contraindre sa liberté. Et comment faire sortir l'homme, comment attirer l'homme sans contraindre sa liberté? Je trouve ça extraordinaire comme question. Et ce qui m'intéresse dans ce que vous dites aussi, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens se perdent dans des espèces de preuves de l'existence de Dieu ou des questions théoriques sur Dieu. Et Jean-Paul II, dans sa lettre sur le troisième millénaire, commence toujours, il faut repartir de Jésus-Christ. Ou une sainte Thérèse d'Avila qui dit « Ne jamais quitter l'humanité sainte du Christ ». Et c'est là qu'est le mystère. C'est là qu'est le mystère qui nous construit et qui est capable de nous rejoindre, et merci, sans nous contraindre. Parce qu'il y a...
Je reviens au premier texte qu'on a lu sur l'expérience mystique de Pascal, soumission, enfin, mais d'une soumission d'amour qui n'écrabouille pas ma liberté. Et je trouve ça très beau, ça. Et finalement, quand on prend les trois voiles, la nature, Jésus-Christ et l'Eucharistie, la dimension de contrainte pour Pascal, elle est dans la preuve. Mais finalement, je dirais que Dieu se rapproche de plus en plus et l'Eucharistie, alors là, c'est non contraignant. C'est-à-dire qu'il n'y a que le cœur qui peut pousser l'intelligence à adhérer. Il n'y a aucune preuve, il n'y a que la foi. Là, la foi ne s'appuie pas sur la raison. Et donc, c'est l'acte de foi pour Pascal le plus méritoire parce qu'il est le plus libre. Je ne peux savoir qu'une chose, c'est qu'il n'est pas déraisonnable de croire. Oui, oui. Ça n'écrase pas la raison. Et même je découvre qu'il est parfaitement raisonnable de croire ce qui m'est enseigné. Mais Dieu n'a pas voulu se rendre évident. L'évidence aurait été contraignante. Oui. Donc Dieu se cache. Oui. Parce qu'en fait, vous dites, Adam se cache après le péché, mais c'est vrai aussi que dans l'Écriture, et Pascal le rappelle, Dieu se cache aussi. Donc il y a une sorte de jeu, et pour que justement l'homme puisse le chercher. C'est ça. Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais quand même qu'on parle un peu de la prière de Pascal. On imagine, parce qu'il y a un célèbre fragment qui paraît presque condamner la prière en disant les exercices de piété, c'est bien, enfin si vous ne voulez pas croire, c'est le fameux pari de Pascal, mais au moins tentez le coup. C'était un homme qui prie, Pascal ? C'était un homme qui prie, regardez la lettre se clôt, le dernier voile c'est l'Eucharistie. Absolument. L'Eucharistie était au centre de la dévotion de Port-Royal. Les religieuses se dévouaient à 2 heures de contemplation du Saint-Sacrement par jour, ce sont les religieuses du Saint-Sacrement. Et Pascal avait une grande dévotion pour l'Eucharistie. Et il avait une grande dévotion pour le corps mystique aussi de l'Église. Alors, comme on a très peu parlé de sa vie, juste une mention, mais quand, sur son lit de mort, il ne peut pas communier parce qu'il est constamment malade et il risque de ne pas garder les aliments, il demande à ce qu'un pauvre soit placé dans sa chambre, soigné à sa place, parce qu'il dit « si je ne peux communier dans la tête, que je communie dans un membre ». Donc, il y a quand même cette idée que l'Église est le corps du Christ. Donc, c'est une foi aussi très incarnée, la foi de Pascal. Et puis, à propos des pratiques de piété, c'est vrai qu'il dit que ne se limiter qu'à ça, ce serait de la superstition, mais les mépriser serait de la superbe. Il faut tout reprendre, mais simplement, il faut hiérarchiser. Et à la tête, c'est le Christ. Dernière question. Vous allez nous rendre très sympathique, Pascal. Très catholique. Justement, il est très sympathique. Comment est-ce qu'il faut le lire et pourquoi il faut le lire? Pourquoi c'est un très grand texte? Alors, pour moi, c'est un très grand texte parce que je ne connais pas d'autre auteur vis-à-vis duquel personne ne veut être en désaccord. Oui. On préfère tordre le texte de Pascal plutôt que de dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Donc, une telle unanimité me paraît inouïe. Oui, y compris, comme je disais au début, même les grands penseurs de la Troisième République étaient pascaliens. Voilà. Pascal. On peut vous soutenir que Pascal n'était pas chrétien, mais il faut que Pascal soit avec soi. Donc ça, je trouve ça mérite un arrêt. Ouais. Et ensuite, comment est-ce qu'il faut le lire? Écoutez, Pascal était tellement ami de la liberté que je pense que, justement, comme on le pressent en fonction de ses propres inquiétudes, on peut faire une lecture scolaire un peu continue, on peut prendre des bribes. Je pense que c'est un auteur qu'on peut méditer à un arrêt de bus au lieu de râler contre la RATP. On se nourrit parce qu'il donne à penser. Il y a beaucoup de lectures. Et pendant le carême, on peut prier avec certains fragments. Je vous promets, le mystère de Jésus qui contient la fameuse phrase « Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là ». Ça, c'est quelqu'un qui a médité sur Gethsémani. Oui. Ça vient pas de... Oui. Donc. Qu'est-ce que vous retenez de Pascal et quelle est votre petite phrase à vous, votre aphorisme, comme on disait? Ce que je retiens essentiellement, c'est le désir, la recherche, l'inquiétude. Est-ce qu'on rejoint Saint Augustin? Mon âme est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Il y a une quête qui ne s'arrêtera qu'avec la rencontre et toute ma vie est tendue par cette rencontre. Et Pascal dit, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Donc c'est vraiment l'idée que dans la quête, il y a la possession et que dans la possession, il doit y avoir quête. C'est ça. Je trouve ça très très beau. Et je retiens une phrase que j'ai lue avant de venir, mais je ne vais pas la citer exactement sans doute, mais
mais la connaissance de Dieu sans la connaissance de sa misère conduit à l'orgueil, et la connaissance de sa misère sans la connaissance de Dieu conduit au désespoir. Et je trouve ça très fort, ça. Pourquoi ? Parce que connaître Dieu, et surtout avec ce qu'on a dit de Jésus-Christ qui me sauve, plus je connais Dieu, plus je connais ma misère, au fond. Plus je connais ma misère, plus je connais Dieu qui me sauve et qui est capable de me sauver de ma misère. Mais rester soit dans la connaissance de sa misère, je tourne en rond et dans le désespoir. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de nos contemporains. Ou bien je me complais dans la connaissance de Dieu, mais en oubliant ma propre misère, et je suis dans une espèce de superbe, comme on disait tout de suite, d'orgueil, orgueil des idées, mais qui ne me sauve pas et qui ne me fait pas avancer. Je trouve que pour le carême, c'est un beau chemin de carême. Saint Jean-Paul II disait « La découverte de la miséricorde est contemporaine de la découverte du péché. » C'est-à-dire, plus je découvre la miséricorde, plus je découvre mon péché, plus je découvre mon péché, plus je découvre la miséricorde. Et je trouve chez Pascal, et avec tout ce qu'on a dit là, quelque chose comme ça. – Jean-Paul II était un grand lecteur de Pascal. – Ah oui. Alors et vous, Hélène Michon, quelle est la phrase que vous retenez et que vous proposez à nos téléspectateurs ?– Moi, il y a une phrase que j'aime bien et qui est « La vérité est si obscurcie de nos jours et le mensonge si établi qu'à moins que de l'aimer, on ne saurait la connaître ». J'aime bien cette idée d'aimer la vérité. Et qu'on n'y va pas simplement avec l'intelligence, surtout si on prend l'intelligence au sens très spéculatif, mais il faut une disposition du cœur, il faut vouloir. Eh bien, c'est beau, ça sera le mot de la fin. Un tout grand merci de nous avoir fait découvrir cette figure de Pascal qu'on a un peu trop lu dans le Lagarde et Michard et peut-être pas assez avec le cœur, justement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré aux grands textes spirituels.